Le prince William, très chanceux, les dessous de son mariage avec Kate Middleton. Dans un livre disséquant l'enfance des royaux britanniques, Tom Quinn aborde la relation qui unit le prince William à son épouse. Selon l'auteur, l'héritier du trône du Royaume-Uni aurait trouvé en Kate son opposé, lui permettant de réfréner ses trop-pleins émotionnels. Les opposés s'attirent. Telle est la théorie avancée par Tom Quinn dans son livre Guilty Deuce, paru au mois de février 2023. L'auteur, spécialiste de la royauté, étaye sa thèse en soulignant les différents tempéraments du prince William et de la princesse Catherine. Il fait notamment référence aux confessions du prince Harry dans son autobiographie, quand il revient sur son altercation physique avec son frère aîné. Nous savons, grâce au livre Le Suppléant, que William est plus enclin aux explosions émotionnelles et aux rages soudaines. C'est une caractéristique commune chez les mâles de famille royale. Les héritiers du trône ont particulièrement tendance à avoir des accès de colère. Mort de sa mère en 1997. Comme sa belle-fille aujourd'hui, la princesse Diana était elle aussi connue pour son tempérament discret et réservé. Toujours selon l'auteur, l'épouse du prince William aurait hérité cette qualité de par son éducation, en dehors des codes rigides et froids qui régissent les familles royales, comme Lady Diana avant elle. William a beaucoup de chance d'avoir trouvé Kate, car elle n'est pas issue de ce milieu divisé et émotionnellement distant qu'est la famille royale britannique. Elle lui donne ce dont il a toujours eu besoin. Une chose est certaine, la mère de George, Charlotte et Louis se sera parfaitement intégrée à la famille royale et incarne à merveille le mantra des Windsor. Never complain, never explain.